Et salut à toi YouTube, pour cette COTD, hop là, je me décale ici, COTD du 22 août tout simplement. Et on a l'air d'avoir de la glace, alors on a vu vite fait du bleu clair bizarre. On va voir, on va voir. En tout cas j'espère que vous allez bien YouTube. Je crois que je rentre de vacances là dans pas longtemps. Si je regarde, attendez, je peux savoir exactement quand cette vidéo sort. On est le 22, elle sort le... Blablabla. Lundi 29. On est pas mal, hein. Lundi 29, là, je suis au soleil à l'île Maurice. Je pense à vous. Je pense à vous, voilà. Ok, on a effectivement de la glace. Donc la glace custom, mais c'est de la glace. Ouais. C'est juste que les reflets sont un peu différents. Ok, Transi Air. En tout cas, la map est vraiment très jolie. Bon, la déco est un peu... Je sais pas comment expliquer, c'est un peu bizarre. C'est quoi ce bloc, là? Bon, ça, c'est bizarre. Mais le gros truc, là, la serre, je sais pas comment on appelle ça. Comment on appelle ça? L'immense bulle. On voit que c'est un bloc qui est agrandi x 1000, quoi. Le dôme, merci. Ouais, le dôme, il paraît pas à sa taille, quoi. Enfin, les dômes, d'ailleurs, s'il y en a deux. Mais autrement, la map, moi, j'aime bien. J'aime bien, je trouve la glace est bien... Bien mise... Il y a des jolis setups. Franchement, une map herbe-glace, on n'en voit pas souvent. Et je trouve que celle-là est bien réalisée. Salut, Luxeo. C'est longtemps que je t'ai pas venu sur Twitch, mais ça fait toujours plaisir de revenir sur ton live. Eh bah, re-bienvenue, avec grand plaisir. On n'entend pas la voiture ? Ouais, 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 my bad. J'oublie à chaque fois de vous ajouter ça. C'est moi, désolé. Et effectivement, il n'y avait pas le son du jeu. Mais là, c'est tout bon. En fait, c'est avec ma table de mixage, je peux muter certains trucs. Et typiquement, quand je mets mon waiting screen en début de stream, je mets que l'audio de la musique, quoi. Et après, j'enlève pour mettre mon micro. En fait, j'oublie à chaque fois de remettre pour le son du jeu. Après, je pourrais laisser activer de base, mais... Des fois, quand je rejoins un serveur pendant les 3 minutes, bah, on entend le 3-2-1 de Trackmania et tout. C'est... Essayez de faire ça bien. Si, si, il y a la musique. Ok. C'est Ben Exalti maintenant. Ok, bah je savais pas. Après, je suis pas vraiment surpris. Il y a Sapi qui a join dernièrement. Actuellement, il y a Vulnera, je crois, chez Exalti aussi. Peut-être Sika. Ouais, je sais pas exactement. La soirée parfaite existe. C'est une jolie soirée, hein, ce soir. Vraiment, une petite COTD pour l'entrée. Yannex of the Week. RPG Collision avec Korch et Kaki. Franchement, on est sur une très bonne soirée. Sika Edson, je crois. Ok, ok. Il y a tellement de teams.
Non mais j'ai l'impression qu'on peut clip ici, mais en fait c'est juste les reflets. Bizarre la fin, mais bon, normalement, on devrait pouvoir aller chercher tranquillement une... un seed 1 là-dessus. Je me fais confiance. Et vous voyez, là... là, on dirait qu'on peut clip. Mais en fait, pas du tout. C'est juste les reflets. Here we go. J'ai la ref. Mais du coup... bon, ça s'enlève très rapidement les reflets, mais moi je trouve joli et... je sais que certains, ça leur... ça leur nique un peu le cerveau, ces reflets. Moi j'aime bien. Oh, c'est triste, cette fin. J'arrive pas à la fin. Le jump où il y a la glace qui remonte à gauche, là, je comprends pas. Et Yoganium. C'est Blowy aussi. Salut Pambo, salut à tous ceux qui arrivent. Ouais, ouais. Là, c'est obvious que je perds de la gear, je gride un petit peu. Ça dit, je suis que 45. Voir combien je perds sur ma fin. Ah, c'est du sable tout ça, ok. Et là. Il faut que je comprenne. Ok, je sais pas combien je gagne. Pas de soucis, Nicolas. Mais t'es pas trop tard pour la prédit des rounds après. C'est pas venir tout ça? Non, du tout. Pas du tout, c'est quand même une. Le layout, il est vanilla. On va dire, plus ou moins vanilla. Genre, ça reste dans la grille de Trackmania, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, c'est une web TM qui a été ripée pour l'avoir sur Blender et on fait ça comme ça. Du mal. Oh, j'ai trop break. Obito doit sourire.
Putain, je suis à chier. Je pense qu'il me manque une trage ou un truc. Moi, je pense que ça, je l'ai pas juste. Ah, là, déjà, c'est bien mieux. Non mais je vous jure, c'est... C'est de la merde. Je sais pas. Mon start était mieux mais... Je pensais pas avoir de peine à divin là-dessus. Hein. Non mais je dois louper un truc de fou, c'est pas possible. Oh là là, je pars où? J'ai de la peine. Merci beaucoup, Abito, j'arrive. Ouais, Div 2, je sais pas si je la joue ou si je hunt la map. Non, je pense que honnêtement, typiquement là, si je div 2, je la mérite. Je suis en mode, j'ai pas la pace pour div 1, donc. Tu vois, mais ça, c'est quoi ça? C'est complètement faux. Je sais pas si c'est suffisant. Ça va être close si jamais il y a pas. Moi je doute que je sois in avec ça. On a 11 personnes qui snipe. Ouais. C'est probable mais c'est chaud. Mais je dirais cette transi, j'ai vraiment trop de la peine. 58. Franchement, si je passe, c'est full chat. Et là, j'ai complètement raté cette transi. Moi, je dis ça passe pas. Suspense. Soixante-deux, ça passe. Ah, large, les gars. Large, large, large. Mais le problème, c'est que je vais me faire out trop vite. Après, il y a un endroit où on perd vite la gear, donc...
Y'a moyen d'aller chercher un top 20 avec une pace plus ou moins tranquille. Mais vraiment cette transi là, moi je l'ai pas. Yo Fenrir, ça va et toi? Ouais, je peux GPS. J'y pense jamais. Alors, 45.9. C'est correct comme temps. Ah, j'aurais pas le temps. Je vais rejoindre le serveur et checker le GPS. Je pense pas qu'il y aura des chokes pendant longtemps. Oui, je pense en vrai. Bah justement, je dis top 20. À partir de top 20, il y a moyen qu'il y ait des runs où il n'y a pas de choke, mais faut encore y aller. Yo Kame. Non, mais je le fais juste, il faut le faire trop bien. Là j'allais moins à droite. Ouais, c'est transi, je faisais différent. Mais c'est surtout la fin. Ok. La fin est tellement importante. Ok. Mais ça m'énerve. J'aime pas ces transis, moi. Je pense que c'est où j'ai le plus de problèmes. Je clip quoi? Monsieur? On dirait que je clip le CP. Mais ouais, c'est ça. Hein. En fait, la route, elle est plus haute. Non, non, c'est pas la pierre. La hitbox de la route, elle est plus haute. Non, non, la pierre, elle est loin de ce que je clip. Y'a Ninja? Bon, du coup, j'essaye les lines du GPS parce que je suis vraiment pas... Moi, c'est ça. Bon, là, j'ai complètement raté, mais... En gros... Faut voir comme si la neige, elle était plus basse. En fait, vous voyez, la route...
la glace, elle est au niveau du CP. Et du coup, là, on descend d'un étage et on remonte. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si on volait. Je pense que si je me pose là sur la glace, je vole un petit peu. Je pense qu'il a mal... Il a mal fait son bloc, quoi. Mais c'est bien que je l'ai vu pendant le... Pendant le seeding. Bon, j'ai eu un très mauvais turn. En fait, il y a tellement de gens qui vont slide out. Regardez, 6 secondes. Merci, Peral. 22-75e de Comskender. Merci Spitzel pour le 22e mois en T2, merci beaucoup. Il est vraiment à 22 ce qu'on dit ? Je suis sûr, j'ai pas du tout regardé le leaderboard aujourd'hui. Lui ? Ok, ok. Ouais, il avance bien. Ouais, il va commencer à stuck à 50, je pense. Il y a deux dômes. Ah, j'étais pas loin en vrai. J'étais à une seconde d'être out, j'ai même pas remarqué. Ça va. Ça me tilt, ça, je vous jure. Oh, quand je raterris, la voiture, elle fait un tour complet. Faut que je ratterrisse un petit peu moins, tourner vers la droite. Putain, 7.2 et pas out, alors le round d'avant c'était 2.9. J'ai une jolie glace là. Et si je rotate au moins, je vais trop exter. Oh là là. Bon.
Ouais, c'est juste la petite transi à la fin qui me pose problème. Quelqu'un peut me dire ce qu'il y a après? Quand je vais sur le Discord, j'ai un message d'erreur. Après, c'est dans le titre Twitch, mais il y a la Yannex of the Week. Après, il y a du RPG avec, avec Korsh et Kaki à partir de 22h30 environ. Je pense pas à être un... J'ai une bonne fin en plus. Ouais. Tu vas stream demain et mercredi et puis tu pars ou stream moins? Programmation, François. Quelle heure pour le RPG? 21h30 environ. Et yo, Pito. Ça va bien, toi? Le airtime. Bon, ça va, heureusement j'ai un bon start mais. Ouais, j'étais vachement à droite sur l'herbe en même temps. C'est un peu mieux comme fin ça. Mais ouais, si ça tenait qu'à moi, il y a moyen que je ferais que du kaki, mais c'est bien de pas s'enfermer là-dedans, je crois. J'ai dû release au pire timing. J'ai pas perdu tant de temps. Ouais, une seconde. Oh, c'est une bonne fin. RPG avec Korsh, ça fait longtemps aussi, du coup c'est cool. Ouais, ça, c'est cool. Et merci Samy pour le 14e mois. Non, je fais du kaki que à partir de 22h30, quelque chose comme ça.
46.5, c'est pas PB ça? Ah non, j'ai j'ai plus que j'ai en PB. Ah oui, d'ailleurs les gars, alors vous en foutez, mais j'ai une nouvelle clope. Voilà. Bon, j'avais dit hier que j'allais en racheter une nouvelle. C'est quoi? C'est une Argus GT2. Merci, Pleb. J'ai plus... J'aimais pas du tout la drag 3. Pour ceux qui connaissent. Je l'ai gardé 6 mois alors que je l'aimais pas. Mais là elle était cassée. Donc attends, CPB 2.3. Autant de bruit que l'autre quand elle tombe. On verra. Hein. Changer de box ou d'ato, les deux. Les deux parce que les deux m'énervaient. Les deux m'énervaient vraiment. En fait, j'étais pas du tout content de ce que j'avais. Mais vu que j'aime pas acheter pour acheter, j'attendais que ça se casse. Non. Bon, c'est pas le pire slide out qu'on peut avoir, mais... The ice looks different for me, is it mod? No, it's auto reflections in the settings. You have to enable it. Otherwise you don't have the reflection. But it's at the cost of some frame, maybe some FPS issues. If you enable it. No worries. J'étais en rouge alors que j'avais une run correcte, on va dire. Oh la prog, les gars, s'il vous plaît. Désolé de le rappeler assez souvent, mais... C'est vraiment un bon réflexe pour éviter de poser tout le temps les questions de ce que je fais. Yo, Kevin. Quand tu slide out, c'est par rapport à l'angle où il y a eu aussi une histoire de speed. Il y a aussi une histoire de speed. En fait, les deux se rejoignent un petit peu, tu vois. Si t'as un angle très serré, forcément tu perds de la vitesse. Et du coup, tu perds ta gear et tu drops. Et tu glisses. C'est surtout une question de speed.
C'est pas fou, mais c'est passé. Top 10 peut-être. En vrai, il y a moyen. Déjà, j'ai fait top 20. C'était à peu près le goal d'aujourd'hui, surtout que j'ai div 1 de justesse. J'étais 62 sur 64 pour division 1. Première COTD, div 20, top 20. T'as bien aimé la COTD ? Pour une première ? Je pense que ça doit être une map assez sympa pour une première COTD. Un petit peu dur, mais... Ce que je trouve vraiment sympa, la COTD, c'est que tu te bats avec des gens de ton niveau. T'as forcément un ou deux smurfs dans les divisions assez hautes, mais... Ce côté, tu joues contre des gens de ton niveau, je le trouve vraiment... Vraiment sympa. Waouh! J'adorais ce format-là pour l'OGL. Je trouve vraiment qu'ils avaient fait un truc de fou, mais... Bon. Ils ont arrêté. Fais bien avec ça. Premier. Ok. Ah bah Mika, il se bat pas tout seul hein, là-dessus. Galéré. J'ai grid le clip, c'était dangereux ça. Pam pam pam. Le deuxième turn, Ice était assassin, je suis sorti sur un double Ice Slide Out. Ouais, il est pas facile. Si tu fais top 8, il y a une personne, elle va gagner 139k. Allez, ça part. C'est pas mal. Et tu as réussi à train le moment où la voiture n'est pas en high slide. Donc tu prends quand même de la speed. Non, j'ai pas encore train ça. J'ai dit que je le faisais off stream, mais... J'ai pas encore fait. Ouais. J'étais moins focus. Pas grave. Je
pensais à est-ce que je vais m'entraîner là-dessus en sortie de vacances, enfin en fin de vacances. Mais non, parce qu'il y a Kaki sûrement. C'est ce qui s'est passé dans ma tête. Ouais, top 9, je suis très content. Hein. Moi, j'avais prévu top 20 à la base. Mais c'est moi, je devrais pas lire le chat et répondre à des questions. Enfin, je devrais pas, si je voulais perf, mais en vrai, je suis déjà très content du top 9. Hein. Hop. Allez, au revoir. Merci pour les GG. Je suis en civil, vous êtes pas censé me reconnaître. C'est cool. Ah, vous pouvez pas uptime sur ma chaîne malheureusement. Mais en vrai, c'est pas dur d'avoir un bon uptime. Tu regardes juste le stream. Tu regardes juste le stream, le uptime du stream à côté du spec. Je sais pas. Oh, y'a Wok. Putain, j'avais pas vu. Ok, un worker, top 6 sur de la glace. Complètement, j'ai jamais compris pourquoi ça hype tout le monde. Je sais pas. Avec une bonne fin, il peut encore snipe. Hein. Oh. Peut-être plus de speed que Nu Prime. Oh là 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 là. Quel snipe de worker. Incroyable. J'ai gagné 105k. GG, on va dire. Bah merci à ceux qui ont cru en moi. Top 9 à 16. C'était une bonne prédit ça. Je sais pas qui a fait, mais c'était une bonne prédit. Ah, Nico qui est rentré de vacances ou... Ça a été ? Ok, pour l'instant c'est... J'arrive pas à savoir qui est derrière. Ok, c'est Mika. Mais Mika, il a pas des très bons starts. Hein. Déjà avant, il avait pas un bon start. Là, ça va être compliqué de remonter. Hein. À moins que Yves galère. Mais je pense que Yves remonte avec plus de speed. Sur le water bounce. Non, c'est bon. Sa trajectoire a pas payé. Ça a été, ouais, c'était cool. Ok, ok. Tu mets sur qui là? Je sais pas. Bah, le plus logique serait Mika, mais. Il troll un peu ses starts depuis tout à l'heure. Ah, c'est greedy de fou cette trage, hein. Ouh bah Grana c'est ciao.
Bon, Mika, il gagne pas souvent les COT des glaces. Mais il a gagné la dernière. On va voir. Et le dernier 1v1 Mika virtuel, c'est virtuel qui l'a gagné. Ah, c'était peut-être pas le dernier, ouais. Je... Ouh, ouais, ouais, il a clip la neige virtuelle. Ça va être compliqué là. Ah oui, bah. Bah. Peut-être pas oublier le CP, monsieur. Ok, GL. Est-ce que Mika va choke? C'est un peu plus la question. Comment on fait le start sérieux? C'est quoi, Warker a pas la meilleure perf hein, depuis tout à l'heure. La meilleure pace, pardon. Allez, Wookie. Ah oui. Bah, il a pas voulu prendre... Oh. Ah, il remonte sur la glace. Il remonte bien sur la glace. Qui l'eût cru, sérieux? Ah, Mika plus inter. Mais est-ce que Worker revient peut-être avec plus de vitesse sur la transi? Le dernier ice slide, Worker avec un tout petit peu plus de vitesse, mais la gear. La gear qui proc et du coup ça passe pas, dommage. Non, alors, Worker a pas eu une glace de fou, c'est surtout Mika qui a raté sa glace. Mika a complètement choke son turn. Mais la gear maudite à la fin, dommage. Hein. Il a risque le fou. Non, bah même pas, Worker a pas risque sa fin, c'est juste sa trash qui faisait qu'il avait la gear qui passe. Tu es arrivé jusqu'où à la ZRT de cette année en finale. Voyons voir le WR. Il a rien compris au start et il a fini deuxième. Mais ouais, vous avez vu le temps qu'il perdait au start? C'était free win s'il avait le start. Voyons voir Snake. Il y a un 45.5. Est-ce que la scène pro TM t'a déjà intéressé? J'ai déjà été joueur pro. Mais j'ai pas aimé. Du coup, j'ai arrêté. Action qui est à la fin. Merci à Venflare pour le 5e mois. On voit mon PV en direct. Non, bah c'était en vrai très belle map. Elle est pas désagréable à rouler. C'est juste ces gros blocs là. Moi j'aime pas. Je trouve pas très joli les dômes. Je les trouve un peu trop massifs. Je sais pas. Mais c'est peut-être parce que je connais le bloc plus petit et du coup ça me. J'aime moins. Mais bon. La map était quand même très très sympa. L'idée d'avoir que l'herbe. À part ça, c'est sick en termes de déco. T'as vraiment que l'herbe. Dès que tu sors, la glace. Et tu rends, il fait bon chaud. Et là, du coup, non, sympa comme concept. C'est dur à mapper ça.
Il fait bon chaud. Bah dedans, ouais, vu qu'il n'y a pas de glace. Non bah YouTube, c'est la fin de cette COTD. J'espère qu'elle t'a plu. On se revoit très vite. Pense à t'abonner et liker. Pense également, c'est vrai qu'on m'a demandé de le rappeler. Enfin, on m'a demandé, mais certaines personnes oublient, mais pensez à Prime sur la chaîne Twitch, ça ferait très plaisir. Plus de ça, je suis en vacances, donc si vous voulez vraiment soutenir, venez sur Twitch, lâchez votre Prime. Vous pouvez le faire quand je suis off-stream. Voilà, ça ferait extrêmement plaisir. À très bientôt, des bisous YouTube.